va continuer à parler rythme biologique, mais de quel côté? Du côté de la sexualité. Ah. Déjà, est-ce que vous savez d'où vient l'expression 5 à 7? C'était les hôtels, ils louaient leurs chambres non moins chères. C'est là où nos capacités sexuelles sont les plus performantes, ah ouais, entre 5h et 7h. Pas que sexuelles, les capacités sportives aussi, c'est là qu'on fait les voilà, grosses performances. Exactement. Mais alors, choisir le sport alors, ou nous, c'est foutu parce qu'on termine cette émission à 5h15, donc c'est raté. Alors, mais en tout cas, il y a une mode en ce moment, c'est de prendre son temps. On n'est plus dans la performance. Hein. C'est plus le moment de sortir votre braguette magique. Le tout, c'est de prendre votre temps. Et oui, le mode d'emploi aujourd'hui du sexe épanoui, c'est le slow sex. Eh bien, qu'est-ce que le slow sex? C'est simplement de prendre son temps, d'être moins dans la précipitation. Aller tout doucement. Je vous propose d'inviter sur notre plateau un sexologue reconnu, Gilbert Boujaoudé. Salut Gilbert. Le docteur Mamour des sexologues. Le docteur Mamour. Ça c'est sûr, vous envoyez une copine qui n'a pas de désir chez un sexologue, tout d'un coup le désir revient. Ça c'est parce que je suis efficace. C'est ça, sûrement. Alors, sérieusement, Gilbert, on entend beaucoup parler de la mode du slow sex. Qu'est-ce que c'est le slow sex? Littéralement, ça voudrait dire le sexe lent, pour dire avoir le rapport sexuel lentement. Tout ça pour dire prendre son temps pendant le rapport sexuel. Lent, mais donc pas c'est, voilà, c'est avoir quelque chose qui se met en place progressivement, etc. Donc c'est vraiment prendre le temps d'avoir le rapport sexuel. Pourquoi? Parce que pendant longtemps, on était au contraire dans les 2 minutes douche comprise. Alors, cette mode de slow sex, on en parle beaucoup ces derniers temps. Il y a une sexologue américaine qui a écrit un livre là-dessus, etc. Il faut savoir que c'est quelque chose qui est très ancien. C'est-à-dire les premiers qui en ont parlé, c'était Masters et Johnson il y a 60 ans. Mais le Kama Sutra, c'est un peu ça aussi. C'est quelque chose. Le sexe tantrique, ça peut durer 6-7 heures. C'est quelque chose qui revient régulièrement. Oui. Donc, ça a peut-être encore plus, je dirais, de sens de nos jours, puisque on fait tout vite. Hein. Le rythme de vie est extrêmement rapide, donc ça prend un peu plus de sens peut-être de nos jours. Et d'ailleurs, c'est quelque chose, je pense, qui parle beaucoup à nous, les femmes. Parce qu'on aime bien aussi que les hommes, vous preniez votre temps. Temps. C'est un truc que vous aimez aussi faire rapidement. Alors, justement, chez les hommes, c'est vrai que la libido peut monter très, très vite. C'est-à-dire, l'envie peut vite monter. Et donc, prendre son temps n'est pas forcément nécessaire. Chez certaines personnes, elle peut ne jamais redescendre. Alors que chez la femme, la courbe est plus lente. Et donc, c'est vrai que ça parle un peu plus aux femmes qu'aux hommes, dans un premier temps. Mais c'est vrai que ça répond à plein de choses à la mode où ça va tellement vite dans la société qu'on a envie de ralentir. Ça correspond à cet éloge de la lenteur dont on entend beaucoup parler. Exactement. On a besoin de prendre son temps. Mais alors, quelle différence vous faites concrètement, pardon de rentrer dans les détails, Gilbert, mais entre un rapport, j'allais dire, en temps normal et un rapport lent. Avec le slow sex. Dans le slow sex, pour reprendre l'expression américaine, ce n'est pas seulement une question de temps, en fait. C'est la façon de faire et pas seulement le temps. C'est-à-dire, il y a deux composantes dans le slow sex. La première, c'est le temps, bien sûr. Pour avoir un minimum de temps devant soi, il faut le prévoir. Et la deuxième composante, qui est tout aussi importante, peut-être la plus importante, c'est de se recentrer sur ce qu'on ressent. C'est-à-dire de ne pas aller directement vers l'objectif du plaisir, mais pratiquement de lui laisser le temps de s'installer, d'en découvrir d'autres, ne serait-ce que prendre le temps de ressentir, bah tiens, ça c'est agréable, c'est pas agréable, ça c'est chaud, c'est doux, etc. L'exploration. C'est une sorte d'exploration. C'est une exploration. C'est la pleine conscience, on est en plein dedans. Et c'est un peu comme quelqu'un qui fait, comme si on faisait une balade, et puis on prend le temps de s'arrêter régulièrement pendant la balade pour apprécier. On s'arrête, mais est-ce qu'on débrief ? C'est du ressenti, parce que c'est vrai que tout ce qui va couper la spontanéité, malheureusement, ça va faire retomber l'excitation. Si on fait des réunions entre chaque acte, ça va pas aller. Si à chaque fois on s'arrête pour débriefer, ça va pas aller. C'est facile de mettre le sexe en pratique, parce que décider de ralentir le rythme, c'est une chose, mais concrètement, comment on peut y parvenir? Le temps, bien sûr. C'est clair que si on a 5-10 minutes devant soi, ce n'est pas le moment de faire le slow sex, on n'aura pas le temps de commencer. Et c'est probablement là déjà la première chose la plus difficile. Et d'ailleurs, on le voit en consultation. Et puis surtout, c'est quelque chose qui nécessite ne serait-ce que de faire retomber la pression de la journée, d'avoir du temps à deux, que ce temps à deux soit agréable, et que dans la foulée, il y a l'activité sexuelle, ça nécessite vraiment pas mal de temps. Il ne faut pas avoir les enfants à la maison. Et la deuxième condition, c'est de couper tout ce qui peut justement
Court-circuiter, est-ce que ça n'implique pas une grande part au préliminaire, justement? Si, ça, c'est la troisième chose. Mais d'abord, il faut créer les conditions. C'est les conditions, là. Que vous soyez tranquille. Alors, il y a quelque chose d'encore plus important que les enfants. Les téléphones portables, les télévisions, les radios, c'est-à-dire de mettre les conditions où on sait qu'il n'y a rien, a priori, qui va venir tout perturber. Ce n'est pas le jour où on sait que dans une demi-heure, il y a quelqu'un qui va arriver à la maison, où il y a des travaux, où le voisin va faire du bruit, etc. Ça peut être très amusant, mais pour le slow sex, c'est pas très utile. Et la troisième, qui est probablement la plus importante une fois qu'on a fait ça, c'est ce que tu disais, Erwan, c'est le fait à ce moment-là de se recentrer sur les sensations exactement. C'est-à-dire pas seulement on a du temps et puis on va faire plein de choses pendant ce temps-là, on a du temps et on va explorer comme ça vient, ce qu'on a envie de faire, les préliminaires. D'ailleurs, en parlant des préliminaires et dans le slow sex, l'idée c'est justement de sortir de préliminaires rapports sexuels et puis ensuite on s'endort ou on a quelques bisous. L'idée c'est justement de faire comme on a envie de faire. Et c'est bien aussi dans un couple, parce qu'il y a des couples qui sont ensemble depuis 10 ans, 15 ans et qui ont du mal à se retrouver. Ça peut être aussi un nouveau partage, une nouvelle expérience et remettre un petit peu de piment. Exactement, c'est une variante qui est beaucoup plus simple d'ailleurs à mettre en pratique pour se redécouvrir que d'essayer des fantaisies différentes qui peuvent bloquer l'un des deux partenaires. Il y a un truc qui est sympa à faire, c'est de se dire... On met un bon album, par exemple, un bon album de Marvin Gaye, et on se dit, en général, on le laisse dérouler jusqu'au En général, la musique peut aider justement à détendre la tension. Merci pour tout. Par contre, j'aimerais préciser une dernière chose. Regardez Stéphane, vous faites Non mais attendez, c'est une slow chronique. Vous prenez votre temps aussi. Donc tout à l'heure, on disait que ça peut relancer, etc., dans le couple, et on disait que c'est quelque chose d'utile. C'est particulièrement utile justement pour les personnes qui ont, par exemple, une éjaculation rapide, parce que ça va aider à ralentir. Les femmes qui ont du mal à faire monter la libido pendant le rapport sexuel, ça des va lui permettre d'avoir du temps. Des douleurs au moment des rapports sexuels qui permettent justement de se détendre, de ne pas avoir mal. Mais ce que je voulais rappeler, c'est que en matière de sexualité, tout ce qu'on va faire de façon exclusive et excessive va devenir nocif. Donc c'est quelque chose qu'il faut... Qu'est-ce que vous voulez dire par là ? C'est-à-dire, si on considère que c'est la seule façon d'avoir les rapports sexuels et c'est la meilleure, c'est une erreur. C'est une variante, intéressante. Oui. Tout à l'heure, on disait un rapport sexuel très rapide, etc., ou quelque chose de plus spontané, de plus surprenant. Ça peut avoir aussi un intérêt. Donc, bien sûr. Tout ça pour dire que c'est une variante qui vaut le coup d'être essayée. On s'organise. Je vous entends dans vos têtes en train d'organiser votre vie. Ah ouais, moi, ça y est, j'ai parti là. J'ai un créneau de quelques heures. En tout cas, c'est une variante très intéressante, à condition que ça reste quelque chose de très varié. De très varié, exactement. Et maintenant, c'est terminé. C'est comme un doux pour prendre son temps. Merci beaucoup, Gilbert Boujaoudé. Tous ces conseils sur France2.fr/CCVB.